Hello and welcome to the Circular Metabolism Podcast. This podcast is hosted by the Chair of Circular Economy and Urban Metabolism held by Aristide Athanasiadis and Stefan Kamperman at the Université Libre de Bruxelles. In this podcast, we talk with researchers, policymakers, and different practitioners to unravel the complex aspects of what makes urban metabolism and economies more circular. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stefan Kamperman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le 9e épisode du podcast Circular Métabolisme, nous avons fait un petit détour par Saint-Étienne pour discuter avec Denis Coconcelli de l'utilisation des plateformes digitales pour accélérer la transition vers une économie plus circulaire. Denis est le directeur du CIRID, ou le Centre international de ressources et de l'innovation pour le développement durable. Le CIRID a une grande expérience dans le développement et l'animation de plateformes digitales pour l'économie circulaire puisqu'il a déjà développé 8 plateformes réparties dans 3 pays. Avant l'économie circulaire, le CIRID avait déjà l'expérience de mettre en œuvre ce type de plateforme, mais cette fois-ci sur la thématique du développement durable. Sur base de leur solide expertise dans ce domaine, je voulais discuter avec Denis afin de mieux comprendre les subtilités de l'utilisation du digital pour activer l'économie circulaire, et également pour comprendre quels apprentissages du développement durable pourraient se transposer à l'économie circulaire. Nous avons commencé notre discussion en retraçant l'histoire de Médiataire, une plateforme média lancée en 2002 qui recense l'ensemble des informations et des actualités sur le développement durable. Pour résumer, cette plateforme en quelques chiffres, ce sont des utilisateurs venant de 140 pays, avec 28 millions de pages vues par an et 11 000 abonnés. Cette plateforme recouvre un maximum de sujets avec 29 portails géographiques ou thématiques qui offrent d'autres portes d'entrée pour retrouver l'information recherchée. À ces plateformes informatives s'ajoutent des plateformes collaboratives qui permettent de partager des bonnes pratiques mais aussi de rentrer en contact avec les acteurs derrière celles-ci afin de devenir le plus opérationnel possible. Denis souligne qu'avec la transition des habitudes sur Internet, il était important que ces plateformes soient au plus proche des habitudes des utilisateurs sans s'imposer à eux. Plus précisément, pour toucher un public de professionnels et techniciens, il est important de caractériser, collecter et filtrer l'information, ceci afin de la rendre tangible, mais également pour construire un réseau entre professionnels. Pour ce public cible, il fallait passer d'une simple communauté de partage à une capitalisation de la connaissance, mais aussi à une réelle communauté de travail. Après toutes ces années, peut-on cependant savoir si toutes ces initiatives documentées ont rendu nos sociétés plus durables ? Le CIRID ne prétend pas déclarer des voies bonnes ou mauvaises. Au contraire, il est important de partager et faire vivre des expériences pour rendre possible la transition vers le développement durable. En tenant compte de toutes ces informations, je voulais donc savoir si tous ces aspects étaient également vrais pour l'économie circulaire. La première question logique à poser à Denis était donc de savoir s'il existe une différence entre le développement durable et l'économie circulaire. Pour le CIRID, il y a eu 2 étapes majeures en 20 ans. Une première jusqu'à la crise de 2008, où le CIRID voulait sensibiliser et former autour du développement durable. À partir de 2010, le CIRID a fait un travail de stratégie pour traduire la durabilité dans les pratiques et gestes quotidiens des entreprises, associations, collectivités, filières, et effectuer des changements des modèles économiques en profondeur pour faire évoluer les métiers, pour faire évoluer les mœurs. Donc à partir de 2010, après avoir fait une revue des différents modèles existants pour effectuer ce changement de paradigme, passant du biomimétisme à l'économie circulaire, à la bioéconomie, à l'économie de la fonctionnalité, ils en ont testé plusieurs. Depuis 2004, ils ont fait le choix de l'économie circulaire. Pour Denis, le choix de l'économie circulaire n'est pas en opposition avec le développement durable, mais se positionne plutôt comme un modèle opérationnel ou une voie de transition vers celui-ci. En effet, le CIRID n'a changé ni de nom ni d'objectif. Pour en revenir aux plateformes digitales, après en avoir élaboré plusieurs sur l'économie circulaire, il est clair que certaines
leçons ou éléments ressortent. Premièrement, il faut créer des réseaux pour que les gens se connaissent, se fassent confiance, partagent des solutions, montent des chaînes de valeur, de la zone industrielle à toute une filière. Pour cela, et depuis 2015, en partenariat avec l'Institut National de l'Économie Circulaire, le CIRID, a créé des réseaux dans les territoires qui s'appuient sur des partenaires locaux, des animateurs qui connaissent bien l'écosystème économique, institutionnel, culturel, en s'adossant sur une plateforme digitale. Ces partenaires sont souvent des têtes de réseau telles que les réseaux d'entreprises, des pôles de compétences, des chambres de commerce, afin que leurs adhérents accueillent l'économie circulaire. Et deuxièmement, il faut créer une plateforme collaborative, un média ou un véhicule qui permet à la fois de collecter l'information, la nourrir, mais aussi de redescendre cette information aux acteurs impliqués. Mais les acteurs doivent se retrouver dans leurs habitudes, dans leur réseau, sur des dimensions plutôt locales. Ainsi, les réseaux de partage d'informations doivent également être connectés avec le terrain. Il existe des échelles de territoire qui sont pertinentes pour certains sujets. En France, ce sont les régions qui ont été dotées de la compétence d'économie circulaire par la loi. C'est à travers ces compétences économiques d'aménagement, d'implantation d'entreprises, de mobilité, etc. que les régions mettent en place l'économie circulaire. Après le développement de plusieurs plateformes, il en ressort que l'économie circulaire est avant tout une économie locale. Bien que l'économie circulaire puisse avoir des enjeux nationaux et internationaux, elle est intimement liée avec de l'animation et du développement économique territorial. De manière simple, les professionnels vont faire des affaires uniquement parce qu'ils ont appris à se connaître. Finalement, la dernière question posée concernait comment nous pourrions relier l'information existante à différents endroits et échelles, mais aussi comment relier les différentes initiatives entre elles. Denis mentionne qu'au cœur de toutes les plateformes régionales, il existe une plateforme agrégatrice, economiecirculaire.org, qui collecte les bonnes pratiques, plus de 700 depuis 2015, avec plus de 5000 comptes créés. Cette plateforme redescend également l'information vers les différents territoires en français et en anglais. Grâce à celle-ci, ils peuvent redescendre vers les plateformes locales afin de creuser sur les détails pour arriver au plus près de l'information et de l'initiative. En conclusion, l'idée est donc plutôt de créer des liens en remontant et en redescendant l'information plutôt que de dire qu'une initiative est meilleure qu'une autre, ainsi qu'une initiative pourrait faire consensus pour toutes les cultures et tous les contextes. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet www.circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher. Et n'hésitez pas à nous y laisser un commentaire. Merci Denis, merci pour le rendez-vous. On se retrouve à Saint-Étienne après cette vue à Montréal. Ça change un peu, il fait un peu plus gris que cet été. Donc tu es directeur du CIRID, le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Et vous faites plein de choses en ce moment autour des plateformes d'économie circulaire. C'est pas un hasard, vous avez déjà fait plein d'autres plateformes au préalable dans vos initiales de développement durable. Donc j'aimerais bien un peu qu'on retrace cette histoire de votre travail du CIRID. Et puis qu'est-ce que vous avez appris par ces plateformes de développement durable et comment celles-ci peuvent nous apprendre des choses dans les plateformes d'économie circulaire. Donc peut-être peux-tu nous rappeler, j'ai regardé quelques statistiques ici, Médiataire, c'est la plateforme de développement durable pour toute la francophonie, et il y avait environ 10 000 visiteurs par jour et 2 millions de vues par mois. C'est quand même assez énorme. Enfin, c'était quoi le but de cette plateforme à la base? Écoute, Médiataire, d'abord, notre panneau n'est pas tout à fait à jour au niveau des chiffres. Oui, c'était 2008 ou quelque chose comme ça, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Médiataire, on l'a lancé en 2002 dans un sommet international à Johannesburg. C'est une initiative reconnue par les Nations Unies. La volonté, c'était de créer un média qui recense l'ensemble de l'information et de l'actualité sur le développement durable en 2002. En langue française, et c'était un signe fort que de partager les savoir-faire et l'information sur le développement durable en français. Et aujourd'hui, quelques chiffres, Médiataire, c'est un lectorat qui est présent dans plus de 140 pays,
C'est 28 millions de pages vues par an. Et Quand même. c'est 11 000 abonnés. Voilà, c'est 11 000 personnes qui, sur Médiathère, ont un compte et qui en bénéficient ainsi de l'ensemble de l'actualité. Donc on y trouve quoi par exemple comme actualité? Parce que le développement durable, on va le voir aussi avec l'économie circulaire, c'est assez large quoi. Enfin, on peut mettre beaucoup de choses quand même dedans, mais qu'est-ce que le lecteur va retrouver dedans, ou la lectrice? Alors, sur Médiathère, on est sur une approche internationale où on essaie de couvrir tous les sujets. Il y a 29 portails thématiques ou géographiques. L'idée, c'était de créer un mass média généraliste. On va de la biodiversité à la question de l'eau, la question de la déforestation, la question de l'engagement des entreprises dans la responsabilité sociétale. On a aujourd'hui un média extrêmement large, tel qu'il pouvait être pensé en 2002. Et au fur et à mesure des années, on a thématisé. On a donc créé jusqu'à aujourd'hui 29 portails, 29 Donc c'est des points d'entrée, sous-portails ou ouais. voilà, 29 points d'entrée différentes où chaque personne va pouvoir retrouver des réponses par rapport à ses propres sujets. Voilà. Mais du coup, donc j'imagine ça existe encore aujourd'hui, Mediator, Ouais. enfin je l'ai vu il y a pas trop longtemps. Donc moi j'essaye de retrouver de l'information, c'est un peu comme un journal si on veut C'est ça. Internet sur le développement durable. Est-ce qu'il y a aussi des pistes d'action, j'imagine? Parce que souvent aujourd'hui les citoyens ils sont ok, premièrement on veut apprendre, mais surtout qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour améliorer la chose? Donc il y a j'imagine aussi des initiatives, ça rentre aussi dans les nouvelles et dans. Alors, c'est là où on comprend bien comment le web a évolué et comment on a fait évoluer les médias, en fait. Médiathère, c'est le portail d'information mondiale en langue française sur le développement durable, généraliste et avec des entrées thématiques ou géographiques. Voilà. Géographique des pays ou quelque chose comme Voilà, ça, ouais. des pays, des zones climatiques, des parties de l'Afrique, par exemple, qui n'ont pas voilà, les mêmes cultures, les mêmes modes de développement, par exemple. Quand on regarde l'Amérique du Nord, le Québec, et qu'on regarde l'actualité du développement durable en Europe, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes façons de faire, par exemple. Pas les mêmes enjeux, certainement Pas les aussi. mêmes enjeux climatiques, notamment quand on regarde les pays du Sud. Pour schématiser un petit Ouais. peu. Mais bon, voilà. Donc ça reste, et c'est la volonté de maintenir un portail d'information généraliste avec des entrées géographiques ou thématiques pour couvrir l'ensemble de l'actualité. Voilà. Il va probablement évoluer ce média au regard des ODD, les Objectifs de Développement Durable, toujours sous l'égide des Nations Unies, dans une dimension internationale, de façon à retrouver cette lecture qu'on a aujourd'hui au niveau international. Et puis à côté de ce média, on a développé des portails plutôt thématisés, des portails collaboratifs, des réseaux sociaux finalement, où la dimension bonne pratique, retour d'expérience est plus mise en avant. Et on va trouver sur d'autres portails donc collaboratifs, développés par le CIRID aussi depuis de nombreuses années, cette dimension, finalement, quelle est la bonne pratique à tel endroit, sur quel sujet, quel est le levier qui a été activé, comment, les points de réussite, les points de difficulté, par qui, par quel type de profil d'acteur, et on va rentrer dans de la technique. Voilà. Et je vais pouvoir, à travers ce portail collaboratif, rentrer en contact avec la structure qui porte ce projet, me mettre en connexion avec cette personne-là, voir autour de moi quels sont les acteurs qui sont aussi engagés sur ces sujets-là, et on va rentrer dans des modes de collaboration, des modes de travail opérationnels. Voilà. C'est aussi l'évolution du web Ah oui, 2.0. justement. Il nous faut collecter de l'information, couvrir l'actualité, et il nous faut nous mettre en œuvre. Voilà. Et donc on a développé au CIRID un certain nombre d'autres portails collaboratifs, toujours à l'échelle internationale, pour être plus proche de la mise en œuvre et de la mise en réseau des parties prenantes à l'échelle de leur mode d'action, leur sphère d'influence, quoi. Ben, j'imagine que ça a énormément évolué, comme tu dis, je veux dire, Internet en 2002, enfin,
enfin, déjà pour accéder à un site internet, c'était déjà la victoire. Mais et du coup, tu parles de peut-être aller de du simple pigiste qui prend des informations de partout sur le net et qui le regroupe sur Médiateur vers un forum où alors il y a la collaboration, etc., etc. Quand tu parles des réseaux sociaux également, c'est quelque chose qui le web a permis de changer le mode de fonctionnement, notre mode de pensée. Mais du coup, je me demande aussi, quand tu dis de, donc les ODD, les objectifs de développement durable, c'est une nouvelle grille de lecture de développement durable. Certainement qu'il y en aura une dans le futur et une autre et une autre. Donc ça, disons que vous, vos thématiques vont peut-être se restructurer dans le futur. Mais ce qui m'intéresse énormément, c'est comment on part du web 1.0, web 2.0, à comment tu penses que ça va évoluer ces plateformes en D'accord. général. Alors déjà, ce qu'on observe, c'est que les internautes, ils ont leurs propres habitudes. Mmh. Ça paraît être une évidence, ouais. Mais c'est celle-ci. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a 11 000 abonnés sur Médiataire, on en a tout autant sur le compte Twitter de Médiataire, sur le compte Facebook de Médiataire, par exemple. Donc l'idée, c'est de délivrer une information là où les internautes sont. Et pas leur imposer à venir créer un compte sur une énième plateforme. Voilà. Donc on a un moteur d'information qui est Médiataire, et puis on a des réseaux sociaux, des affiliations, des partenaires avec d'autres médias qui nous permettent de d'essaimer, de diffuser cette information et au plus proche de la personne là où elle a ses propres habitudes. Donc il y a une appli Médiataire par exemple depuis 2-3 ans, et on a aujourd'hui des consultations qui sont sur d'autres sites, d'autres médias. L'idée, c'est d'amener l'information au plus près de l'habitude de consommation de cette information-là. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution naturelle et c'est une lecture, c'est une posture de se dire on ne va pas imposer aux gens de venir là parce qu'ils vont venir et peut-être pas y trouver un intérêt. On ne va pas cloisonner cette information-là, donc on va rendre cette information disponible dans une logique d'ouverture à l'innovation, d'ouverture des données, pour libérer cette information et la rendre le plus accessible possible. Voilà. Toutefois, quand on rentre dans le concret et dans l'opérationnel, on se doit de rassembler de la connaissance selon un certain nombre d'enjeux. La performance énergétique des bâtiments, la ville durable, les infrastructures urbaines. On se dit que là, il y a un sujet pour parler à un certain public, certains agents dans les institutions, dans les collectivités locales, à des profils industriels dans le domaine du bâtiment ou de l'aménagement urbain ou des infrastructures urbaines, de la maîtrise d'œuvre à l'artisan, à la maîtrise d'ouvrage. Et donc, cette information-là, pour la caractériser, la collecter, la modéliser et la rendre tangible pour la mise en œuvre, on se dit, on crée un réseau international sur ce sujet-là et on crée Construction 21. En 2012, avec le soutien de la Commission européenne, un certain nombre de partenaires en Europe, on se dit, il y a une initiative à lancer au niveau international sur la construction, la ville durable et les infrastructures urbaines. Et donc, avec un certain nombre de partenaires, on crée Construction 21. Aujourd'hui, Construction 21, c'est un portail international collaboratif, donc on est bien sur cette dimension collaborative autour d'études de cas, de bonnes pratiques et le réseau social. On a, je crois, 22 000 professionnels aujourd'hui sur Construction 21 qui ont un compte. Et on crée un réseau international pour que chaque professionnel puisse, dans sa propre langue, accéder à l'information, publier une information. Et donc là, on a une vraie dimension collaborative puisqu'on a des communautés de travail, des communautés de partage, des études de cas en français, en chinois depuis l'année dernière, en anglais, et bien évidemment, et on a une dizaine de langues. Et donc, c'est parce qu'on s'adresse à une profession, on s'adresse à des filières, du constructeur à l'installateur et au décideur, au maître d'ouvrage. Et bien qu'on ait aujourd'hui cette information disponible dans les réseaux sociaux, on se doit quand même de capitaliser, de rassembler sur cet espace thématique et géographique la connaissance. Voilà. Donc je crois qu'on a 1500 études de cas, couronnées par des awards internationaux avec une remise de prix à chaque COP.
Donc, on a créé tout un dispositif de montée de promotion, de montée en rayonnement de ces bonnes pratiques jusqu'à la COP. Donc, la prochaine, ce sera en Pologne. On a lancé cette initiative de COP à Paris, Marrakech, Bonn, Pologne. L'année prochaine, on verra. Donc, de façon à créer à la fois un média numérique de capitalisation et un réseau. Voilà. Et donc Oui, on travaille bien sur ces deux échelles-là. C'est aussi un réseau de professionnels qui est amené à se rencontrer dans les pays, à se parler, à partager des cas de bonnes pratiques. Voilà. donc là, tu as par exemple pour médiateur, ce serait plutôt le citoyen moyen, et pour les thématiques, c'est plutôt le professionnel ou alors, enfin, le public, j'imagine qu'en fonction de chacune de ces plateformes aussi se décline un tout C'est petit peu. ça, Oui. c'est ça. C'est exactement ça. Et comment tu capitalises sur ce savoir? Parce que tu en as dit, peut-être en mettant en avant des bonnes pratiques, mais aussi en créant cet award ou ce prix. Mais comment peut-on arriver de mettre en avant de l'information à voilà ce qu'on a appris pendant 20 ans? Parce que c'est aussi très difficile, c'est un métier en soi, quoi, de réfléchir de manière plus critique à tout ce qui a été dit et va-t-on dans la bonne direction, etc., etc. Alors, Ou c'est pas à vous de le faire. ouais, c'est ça. En fait, on prétend pas, nous au CIRID, disposer de la connaissance et choisir les voies. C'est-à-dire, il y a le bon et le mauvais. Non, dans la transition vers le développement durable, il y a des expériences à vivre, des enseignements à produire. Donc, depuis quelques années, on va dire depuis les années 2010-2012, on se dit que ces réseaux internationaux doivent être très clairement connectés au terrain. Donc on s'est engagé dans une logique de dire, il y a des échelles de territoire qui sont pertinentes par rapport à des sujets. Si je prends l'économie circulaire, c'est une économie qui est territorialisée, qui se déploie au plus proche des ressources, des modes de production et des modes de consommation, dans une recherche d'efficacité. Voilà. De la création d'écosystèmes, finalement, d'économie circulaire. Et en France, ce sont les régions qui ont été dotées de cette compétence économie circulaire, voilà, par la loi. Et donc, c'est à l'échelle de ces régions qui ont d'abord la compétence économique, la compétence enseignement, à travers des collectivités locales qui ont des compétences d'aménagement, d'implantation d'entreprises, de synergie, de mobilité, de mode de consommation et de mode de production, que cette économie circulaire, elle se joue. Alors, évidemment qu'on a des enjeux autour de certaines ressources au niveau mondial. Le plastique, les énergies, un certain nombre d'énergies, de choix énergétiques se traitent au niveau national, voire international. Néanmoins, cette économie circulaire, pour la mettre au plus proche des acteurs, on se devait de déployer deux choses. Des réseaux, c'est-à-dire que les gens se connaissent, fassent connaissance, créent la confiance, trouvent des solutions ensemble, montent des chaînes de valeur. Ça va de la zone industrielle à la filière locale de traitement, de recyclage, de traitement. Une chaîne autour de la grille, de l'agroalimentaire, une chaîne autour du textile, jusqu'à son réemploi. Ça se traite à l'échelle locale. Donc c'est comment est-ce qu'on met les gens ensemble, comment est-ce qu'on crée la confiance, la connaissance pour les faire travailler ensemble. Bah, pour qu'ils s'invitent eux-mêmes à travailler ensemble. Voilà. À l'échelle régionale. Donc pour ça, on a créé des partenariats locaux avec des têtes de réseau, des réseaux d'entreprises, des pôles de compétences. Bien spécifiques, des filières locales, pour les amener à s'engager dans des démarches d'économie circulaire et à faire que leurs adhérents, leurs ressortissants, rentrent dans des journées techniques, dans des forums de discussion, dans des journées régionales, des journées annuelles, dans des expos, qu'ils exposent ensemble leur savoir-faire, qui partagent en même temps leur retour d'expérience, leurs difficultés. Donc ça, c'est à l'échelle des régions, on crée ces réseaux de connaissances pour que les gens se connaissent, apprennent à vivre ensemble leur démarche. Et puis, deuxième outil, c'est on crée une plateforme collaborative. On crée finalement un média, un véhicule qui permet à la fois de collecter l'information, la nourrir,
Et puis, de redescendre ces informations auprès de ces acteurs-là. Donc, finalement, c'est le média dans lequel ils se retrouvent d'un point de vue virtuel. Et c'est sur la base de ces deux façons de faire que cette économie circulaire, nous, on pense qu'elle peut se mettre en œuvre. C'est-à-dire réunir physiquement et rassembler, collecter sur un réseau social d'entreprise autour de cette thématique d'économie circulaire. Alors, comment vous êtes passé. Enfin, il y a certaines personnes qui préfèrent de parler d'économie circulaire aujourd'hui et plus de développement durable. Il y a des personnes qui parlent de résilience, d'autres qui parlent de. Enfin, il y a énormément de thématiques. Comment est-ce que le développement durable, c'est une chose du passé? Ou est-ce qu'à partir de maintenant, on va parler que d'économie circulaire? Et c'est quoi l'addition en plus de l'économie circulaire dans cette thématique qui existe depuis 20 ans de développement durable? Est-ce que. Là, Enfin, j'imagine non, mais que. c'est une question de fond, et puis on dit qu'on ne détient pas la vérité déjà Ouais. en guise de départ. Le CIRID a eu deux étapes importantes en 20 ans. Une première, je dirais, jusqu'à la crise 2008-2009, où on se disait qu'on était plutôt garant du développement durable. Une forme comme ça de fierté à se dire, on va être dans la sensibilisation, on va porter la bonne parole, on va sensibiliser, on va former dans les écoles, former dans les entreprises. Et puis l'écho du développement durable en 2008-2009 était quand même moins fort, évidemment. Amener les acteurs à changer dans des postures de crise. Alors, c'est parfois dans la crise que les changements se font, mais la tâche était pas simple. Et on a, nous, en 2010-2011, au CIRID, on s'est dit, on va faire un travail de stratégie pour dire comment est-ce qu'on traduit, gardons cette étoile polaire, gardons cette vision de la durabilité forte, mais comment est-ce qu'on traduit dans les pratiques des entreprises, dans les pratiques des filières, dans les pratiques des collectivités, dans les pratiques des associations, comment on traduit ça en gestes, en changements profonds des pratiques, des compétences, comment est-ce qu'on fait évoluer les métiers, comment est-ce qu'on fait évoluer les modèles économiques, comment on fait évoluer les stratégies de ces acteurs-là. Donc on a fait le choix d'un certain nombre de modèles. On a fait une revue de modèles existants, du biomimétisme à l'économie circulaire, à la bioéconomie aujourd'hui, à l'économie de fonctionnalité. On a fait des choix. Et en 2011, on a fait le choix de l'économie de fonctionnalité, faire reposer cette transition des acteurs vers le développement durable à travers ce modèle-là, l'économie de fonctionnalité, qui est un modèle extrêmement performant, parce que performant, extrêmement complexe. Et puis en 2014, on a fait le choix de l'économie circulaire. Voilà. Et donc on a adossé nos activités, on a déployé des outils, des expériences, des accompagnements à travers des modèles pour dire préservons bien cette vision du développement durable, préservant, CIRID n'a pas changé de nom, ça reste un centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, avec des collaborateurs investis, mais faisons reposer cette vision sur des modèles de transition, parce qu'on est sur du cheminement, et c'est ces modèles-là qu'on a choisis. Voilà. On a à Saint-Étienne le pôle éco-conception, pensée cycle de vie, qui partage cette vision de la durabilité, et qui accompagne pour sa part les entreprises, les acteurs économiques dans l'éco-conception de produits et de services. Voilà. Donc c'est plutôt un Ça ne moyen s'oppose d'action, quoi. pas, ça s'oppose pas, c'est des voies de transition, de cette transition vers une économie écologique et solidaire. Et c'est des choix, parce qu'on se devait quand même de faire reposer nos propos, nos pratiques sur des modèles. Et c'est là que je trouve qu'on trouve de l'écho. Et qu'on a de l'analyse, des outils qui apparaissent, qui se développent, qui se déploient, des bureaux d'études qui s'en emparent et le marché qui s'engage. Ah oui, c'était une des critiques du développement durable, c'est de rester un peu trop vague ou un peu trop difficile pour être implémenté ou pour être apprivoisé, pour être enfin qu'on se mette vraiment les mains dans le cambouis et qu'on change quelque chose. Donc je pense que beaucoup de personnes voient dans cette économie circulaire un moyen d'action plutôt qu'un moyen de réflexion tout court, quoi. Mais parlons-en, tu as parlé des plateformes d'économie circulaire en France, il y a les régions qui s'emparent, donc il y a L'Éclairage, il y a Récita, il y a le Grand Paris, il y en a, enfin que vous collaborez déjà.
Vous êtes aussi en Suisse avec la plateforme Génie et au Québec bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de toutes ces... Enfin, et ça va continuer, c'est pas... Enfin, je pense que c'est que le début. Donc, qu'est-ce que vous avez appris aussi par la formation de ces plateformes? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer déjà? Enfin, ça fait que quelques années, mais qu'est-ce qu'on apprend durant ces petites années? Alors, en effet, depuis 2015, avec l'Institut national de l'économie circulaire, on a entrepris de créer des réseaux dans les territoires, qui, je le redis, s'appuient à la fois sur des partenaires locaux, des animateurs qui connaissent bien l'écosystème économique, institutionnel, culturel, et les enjeux de ressources, et qui s'adossent, qui s'appuient sur une plateforme digitale, un réseau web 2.0. Voilà. Et on est dans cette activité de maillage, de développement et de maillage de ces écosystèmes à la fois d'acteurs et de connaissances. Éclaira, sur Auvergne-Rhône-Alpes, 700 professionnels aujourd'hui, Génie, sur le canton de Genève, ils sont 600. Il y a Normandie aussi, à travers Ah le bah réseau oui, Nessie. Nessie, oui. Le réseau Nessie, il y a Recitas sur Nouvelle-Aquitaine, 600 membres. Grand Paris Circulaire qui a été lancé début octobre 2018, là, il y a un mois. Voilà, donc qui est en développement, hein. Je crois qu'il y a 200 membres là en un mois qui ont Déjà, créé un oui. compte. Ouais, déjà, ouais. En un mois. Québec Circulaire bientôt. Et puis notre région là qui se lance, on aura le plaisir au premier trimestre 2019 de lancer une autre région et de créer cet écosystème. C'est plus de 5 000 comptes professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'on en apprend? D'abord que c'est une économie qui est locale. Voilà. Et qu'on crée des appartements, finalement, pour créer cet immeuble de l'économie circulaire, cet immeuble international, en français, en anglais. Mais que d'abord, les acteurs se retrouvent dans leurs habitudes, dans leur réseau, sur des dimensions plutôt territoriales, bien évidemment. Hein, mais plutôt à l'échelle d'une région. Et bien que certaines régions que j'ai citées soient déjà très très grandes, ces animations-là, on essaie de les cibler encore plus près. Plus près d'une Dans une métropole filière ou quelque chose ou comme d'une ouais. filière. Ouais. Voilà, clairement, sur Nouvelle-Aquitaine, cette année, on a créé des journées techniques, parce qu'on devait aussi de regarder ça sur des enjeux, le BTP, les bioressources, les biodéchets, les déchets organiques, le plastique. Parce que les acteurs, les professionnels, ils viennent aussi, certes, ils viennent donner du temps, qu'il faut qu'ils y trouvent du résultat. Ben ouais. Voilà. Donc, ça reste de l'animation et du développement économique territorial autour d'un enjeu qui est celui-ci. Ça reste de l'humain. Et je dirais pas qu'on l'a appris, ça, mais c'est un fondamental. C'est clé, c'est que ça reste de l'humain. Ça reste des personnes qui doivent se connecter, se connaître. À travers un petit déj pour commencer, à travers une soirée. Et on commence à faire des affaires, à se connecter, à se relier, à se mettre en synergie, d'abord parce que les personnes doivent se connaître. Voilà. Pour moi, la plateforme collaborative, ça reste un véhicule. C'est un véhicule de capitalisation, c'est un véhicule c'est un réseau social, ça reste un média de recensement, de bonnes pratiques. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, à travers le réseau Éclaira, je crois qu'on a 130 bonnes pratiques, de l'alimentation, de la synergie industrielle, de la filière. Voilà, ça reste la connaissance. C'est là où on accède aux données, où on peut se nourrir. C'est là où on accède à l'information. Et c'est évident qu'on doit créer des journées comme les journées régionales de l'économie circulaire, comme des journées techniques. Comme des réunions dans des zones industrielles, dans des métropoles, parce que c'est là que les activités se font. Voilà. On va peut-être pour en finir poser une question sur finalement comment on relie tous ces réseaux. Parce que là, c'est à l'initiative des régions, mais il y a également les pays qui essayent de se mettre en avant. Comment on relie ces différentes échelles ensemble pour faire cette économie circulaire 2.0, 3.0 à l'échelle interscalaire finalement? Alors, nous, on a fait le choix de relier ces régions entre elles. Voilà. Et de donner de la visibilité internationale à ces pratiques locales. Voilà. Donc,
au-dessus ou au cœur de ces plateformes territoriales, on a un agrégateur qui s'appelle www.economiecirculaire.org qui agrège. Qui agrège, c'est-à-dire qui collecte la donnée, l'information, les 700 bonnes pratiques qu'on a publiées et que le réseau a publiées depuis 2015. Il y a 700 bonnes pratiques. Il y a une cartographie internationale sur economiecirculaire.org qui collecte, qui agrège cette donnée. Et puis en même temps, qui la redescend dans les territoires, en français et en anglais. Donc sur economiecirculaire.org, si on clique sur une initiative qui a été publiée et qui est en œuvre en Normandie, on va tout de suite aller voir en Normandie ce qui se passe. Avec qui, comment, par quel levier, par quel moyen. Et on arrive au plus près du terrain, de là où cette initiative-là, elle a été mise en œuvre. Dans une phase d'exploitation, d'étude, elle a peut-être été abandonnée, mais on va voir où elle en est. Voilà. Et puis, au niveau international, aujourd'hui, on se dit qu'effectivement, on a d'autres pays qui sont engagés, notamment en Europe, à travers une feuille de route européenne autour de l'économie circulaire, avec une plateforme internationale des parties prenantes. Et donc, on est en train de se connecter à eux, parce qu'il y a d'autres langues et d'autres cultures. Et ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est différent de ce qui se passe dans certaines régions allemandes ou en Italie ou ailleurs. Voilà. Donc l'idée, c'est plutôt de créer les liens, plutôt que de prétendre aller voir ce qui se passe et à le produire, parce que ça se traite localement. Quand on crée un portail en Chine sur la construction de la ville durable à travers Construction 21, on s'appuie nécessairement sur des organisations qui sont sur place. Voilà, parce qu'il y a des questions d'habitude. Et puis la question de la ressource, l'engagement au développement durable, on ne parle pas de la même chose, qu'on soit dans un pays ou dans un autre. On n'active pas les mêmes leviers. Il y a des contextes institutionnels, législatifs, réglementaires. Et notamment dans la construction durable, on n'est pas sur les mêmes réglementations. Réglementation, Et on ne oui, bien sûr. prétend pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre ou qu'on va faire consensus de tout ça. Voilà. Ce serait illusoire que de se dire on va à une réglementation internationale sur la réglementation thermique des bâtiments et on voit que nos voisins suisses sont différents et prennent d'autres voies que ceux de la France, par exemple. L'idée, c'est plutôt de créer le lien et les voies pour permettre aux professionnels d'accéder à ces différentes bonnes pratiques, qu'on soit à Madagascar, à Genève, à Paris ou à Québec. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a certains principes qui restent assez génériques et assez fondamentaux, tels que le local, tels que la mise en réseau, etc., etc. Et après, évidemment, s'ajoute à tout ça une couche de contexte, une couche de difficultés, d'enjeux, etc., etc. Merci à toi. Je ne sais pas où est-ce qu'on va se retrouver la prochaine fois. Oui. Peut-être en Australie, peut-être Eh ben tiens, en Madagascar. je suis partant. Écoute, je vais Merci à arrêter toi. ici.